Et salut à tous les amis, c'est Loïc, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de notre aventure Let's Play à la bug sur The Last of Us Part 1 Remake PlayStation 5. Écoutez, j'espère encore une fois que tout va bien pour vous, que l'épisode précédent vous a plu, que vous avez pu également vous délecter de la magnifique deuxième partie de vidéo de transcription proposée par Sandra, notre présidente, qui est aussi mon épouse dans la vie. Et donc voilà, on va être parti pour le 7e épisode. Et comme promis, vu que la dernière fois je vous avais pas mal parlé en termes de handicap visuel, sensibilisation, différents types d'adaptation, intérêt du relief, etc. Là, aujourd'hui, je vous promets, une vidéo full gameplay, voilà, sur ce magnifique The Last of Us Part 1 Remake. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? La dernière fois, on avait réussi à fuir le Capitole en zigouillant un petit peu tous les soldats qui, malheureusement, avaient ôté la vie à Tess. On avait fait une petite phase dans l'eau avec Ellie. Souvenez-vous, j'avais un peu galéré à essayer de récupérer quelques pièces d'armes d'ailleurs que je n'avais pas eues et je vous avais proposé du coup une petite phase de gameplay inutile dans les fonds obscurs de l'eau dégueulasse de ce monde post-apocalyptique, n'est-ce pas? On avait réussi du coup à sortir donc du métro et on est atterri du coup dans cette ville-là. Qui n'est autre que la ville de Bill, le copain de Joël, qu'on va essayer dans cet épisode de rejoindre afin qu'il puisse nous obtenir une voiture. Parce que oui, souvenez-vous, Tess nous avait demandé du coup d'amener Ellie jusqu'à Tommy, à savoir le frère de Joël, mais Tommy habitant dans le comté de Jackson. Et du coup, enfin, habitant, ayant élu refuge plutôt dans le comté de Jackson, et donc pas la porte à côté d'où nous nous trouvions, n'est-ce pas? Je parle au passé, hein, puisque là, on est déjà plus à l'endroit où nous nous trouvions quand on a laissé Tess, vous m'aurez compris. Voilà, Joël a proposé à Ellie d'aller retrouver Bill afin qu'il puisse nous dégoter une petite voiture et que l'on puisse, comment dirais-je, s'extirper de ce coin du pays et se rapprocher de Tommy. Allez, assez parlé, les amis. Donc, Ellie nous avait ouvert le passage et on va se rapprocher de Bill. 1. Tuyau de plomb. Durabilité. 9. Un petit tuyau de plomb, bon, on en avait déjà un, mais... Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Ben, surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Sur un max nécessaire. Ah, ça nous ramène, ok. Excusez-moi, autant pour moi. Le mode écoute, en fait, en scan d'objet, nous ramenait vers la cage de sureau. Enfin, la cage qu'on peut ouvrir avec un surin. Et comme on n'a pas de surin, on n'avait pas pu l'obtenir. Et vu qu'il y a des objets renfermés à l'intérieur, du loot, hein, pour l'essentiel. Et bien, du coup, ça nous ramenait à cet endroit. Donc, on va avancer. Mais avec l'assistance de navigation, pour ne pas nous retrouver bloqués. Voilà, normalement, voilà. Là, on scanne des objets qui sont plus proches, c'est bon. Hé, hey, regarde! Des nains! Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. 10. Par contre, j'aime pas les fées. Ouais, d'accord. Ah, Joël, il est antipathique. On voit qu'Ellie, elle essaye... Elle essaye tout ce qu'elle peut pour... bâtir une relation avec Joël et... pièce. Et on sent que Joël, il est vraiment réfractaire pour le coup. 2 pièces. Ok, on récupère des pièces d'armes. Il est réfractaire, on sent qu'il veut pas s'attacher. Il veut pas se dérider revolver. Et risquer... Munition de revolver. 6, chargé. 2, dans l'inventaire. J'ai appuyé sur R1 sans le vouloir. 1 demi, lien. Ah, on va peut-être pouvoir faire un surin, enfin. Ouais, je disais, Joël ne veut pas risquer de s'attacher à Ellie par rapport au fait qu'il a perdu Sarah 20 ans auparavant. Confection, cocktail surin, confectionnable. La formule nécessite, vous avez désormais un surin. On en a faim, enfin un surin, les amis, un surin. Ah purée, depuis le musée, on n'avait pas réussi à reconfectionner. Hein. Un demi, lame. Heureusement, on trouve un petit peu de loot pour se refaire.
Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait été obligé de se défaire de claqueurs à l'arme à feu, hein, puisqu'on n'avait pas de surin. Et je vous le rappelle, la seule façon d'éliminer furtivement un claqueur, ben, c'est d'utiliser un surin. Alors, excusez-moi si je ramouille un peu. Je sais que dans ce coin-là... Voilà. Un pièce. Le décor complique... Oh, qu'est-ce que tu chantes bien, Ellie. Le décor complique la... l'atteinte des objets ramassables. Alors. Il y en a encore. Fleuriste Annie. Un fleuriste, ok. Pour offrir des fleurs à Bilou. Puisqu'on va rencontrer Bilou dans cet épisode, donc ça aurait été sympa non, de notre part de lui offrir des fleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est pas prévu dans le scénar. Monsieur Druckmann, qui nous a écrit cette sublime pépite, n'a pas pensé à prévoir que Joël offre un bouquet de fleurs à Bill. C'est pas prévu. Voilà. Quand est-ce que t'arrêteras de raconter des conneries, Loïc? Je sais pas, mais... Alors, est-ce que je vais pouvoir atteindre... Je sais que dans ces coins-là, il y a des endroits où atteindre les objets, c'est pas toujours chose aisée. Mais il y en a notamment un super important qu'il faut absolument pas que je loupe. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc je m'excuse encore une fois si je me bloque un peu dans les décors. On va avancer un peu avec l'assistance. Ouais, ok, je rescanne, je réessaye. Une des principales complications, hein, ça reste ça, hein, atteindre certains objets. Non, j'arrive toujours pas, donc bon, on va avancer un peu plus. Alors bon, quand je suis tout seul, hein, je prends le temps qu'il faut pour rien rater. Bon, là, tant que je vous propose les... Pizza et sandwich Anthony. Pizza et sandwich Anthony. Tant que je vous propose... Ordre d'évacuation obligatoire de l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes, FEDRA. Touche cercle. C'est bon, je me suis débloqué. Oui, je vous disais, tant que je vous propose la majorité des artefacts et que j'arrive à me débrouiller à récupérer suffisamment de loot, c'est l'essentiel. Après, encore une fois, le but, c'est que vous voyez aussi les limites de l'accessibilité. Hein. Trois quarts, tissu. Qui est aussi génial, pardon, soit-elle, bah, ne peut pas être parfaite. Et encore une fois, une des principales contraintes, c'est celle-là, c'est que des fois, quand on fouille, on se retrouve coincé dans des décors. Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... C'était quoi, déjà? Elle te transperce l'estomac du poing et après, elle t'arrache la tête. Mmh. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Elle donne envie, hein, Angel Nice. Là encore, vous verrez plus tard, c'est une référence au DLC Left Behind qu'on fera lorsqu'on aura réussi à aller au bout de l'aventure principale. Je ne vous en dis pas plus, bien évidemment, même si moi je l'ai déjà fait et je sais ce qui s'y passera. Un demi, lame. Et ça vaut le coup quand même de bien fouiller parce qu'on récupère quand même pas mal de choses. Et vu ce qui nous attend, croyez-moi, ça va être nécessaire. Et malgré quelques petites phases où je coinçouille, je pense que j'arrive quand même à vous proposer quelque chose de sympatoche. Oh.
rappelle bien sûr qu'on est toujours dans un let's play complètement à l'aveugle. 5 pièces. Ok. 5 pièces d'armes. Ce serait bien qu'on puisse faire un petit quelque chose lorsqu'on rencontrera le prochain établi quand même. C'est pour ça que j'essaye de fouiller un maximum. Même si on en aurait eu plus si on avait eu des surins, n'est-ce pas? Puisque, bon, globalement, dans les cachettes qu'on ouvre avec les surins, c'est surtout des pièces d'armes qu'on y trouve. Tous les habitants du comté d'Amherst et des environs doivent avoir évacué la zone avant 20h le 17 octobre 2013. Évacuer? Où ça? À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Oh, ça doit être dur, de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça le plus dur. Ça doit pas être évident. Ordre d'évacuation obligatoire de l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes, FEDRA. Je comprends mieux pourquoi, ben... On croise personne ici. C'est une zone qui a été évacuée. Alors, les amis, un coffre. Alors, comme vous le savez, sans doute, les coffres dans The Last of Us, ben, il y a des combinaisons. Hein, ils sont verrouillés. Regardez. 0, 0. Voilà. Et donc, touche du coup, faut taper le code. Touche cercle, retour. Et là, le code, je ne l'ai pas. Alors, ce code... On va le trouver généralement soit en faisant des petites lectures d'artefacts bien sympatoches, soit en lisant des panneaux, des écriteaux ou autre chose, ou autres petites énigmes qui vont nous permettre de reconstituer le code. Là, encore une fois, avec l'accessibilité, malheureusement, ce à quoi on a accès, c'est l'objet le plus proche de nous quand on verrouille. Donc là, en l'occurrence, j'ai accès au coffre, mais je n'ai pas le code. Mais... Je vais vous montrer une petite astuce. Je vais aller dans les options, baisser le lecteur d'écran. Pour une fois, il va nous faire d'un petit peu des vacances. Langue audio. Signaux audio de lecteur d'écran. 80. Je vais le mettre au minimum. Voilà, comme ça au moins, la synthèse vocale va pas nous gêner. Et vous allez entendre que quand on va se déplacer sur les chiffres, on entend des petits clics. Et quand on va en fait tomber sur le bon chiffre, le petit clic qu'on va entendre, il va être un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus péchu, un tout petit peu plus marqué que tous les autres. Écoutez. 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 5, 0, 0. Vous entendez là ? 0, 4. Le 4, et si je vais sur le 5, quel bon chiffre ? 0, 5. Tais-toi, Ellie. 0, 6. Je monte au 6, je reviens au 5. 0, 5, 0. C'est subtil, hein ? 0. Voilà, mais le 5, là en l'occurrence je vais cliquer dessus parce que c'est le 0,5, c'est le premier chiffre. Hein, c'est le premier bon chiffre du code. 0, 0, 0, c'est très très subtil. Hein. 0, 0, 0, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hop, 17, le 17 là. 16, 17. Le 17, j'ai l'impression qu'il est un peu plus péchu aussi, donc je clique. 18, 19, 20, 21. Et le 21 aussi. Est-ce que j'ai raison? Eh oui. Voilà, et on a récupéré tout ce qu'il y avait dedans. Donc je vais remettre le lecteur d'écran juste après. Donc vous voyez, ça c'est une petite astuce où si on n'a pas trouvé l'artefact qui permet d'avoir le code, et ben en tendant bien l'oreille, alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu, auquel cas ce que vous pouvez faire éventuellement c'est reculer sur la vidéo et essayer de tendre l'oreille et d'y prêter attention. Mais ce petit clic plus marqué sur le bon chiffre pour reconstituer la combinaison, ben ça peut sauver la life et ça peut éviter de passer à côté du contenu du coffre. Voilà, c'est presque cheaté, mais je voulais vous le montrer. Allez. Je vais remettre le lecteur d'écran à balle. Son, audio, voilà. Option. Allez, on avance. Nouveau des objets. Je peux pas là. Ah.
Ok. Voilà. On peut déjà passer ça. Un pendentif de Luciole, nickel. Un pendentif porté par les membres de la milice des Lucioles. Ouais, partout. Ils pensaient pouvoir remettre de l'ordre dans le pays. Eh ben, avec un vaccin, ce serait possible. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, comme dit Joël. Je vous le retourne, je vous le montre, le pendentif. Huang, 000197. Voilà. Un de plus. Un pendentif des Lucioles. Allez. On descend de là. Avis d'évacuation obligatoire. Veuillez suivre les consignes des autorités le long de la route d'évacuation. Il est écrit « route d'évacuation » dans une flèche pointant vers la gauche. Les évacués seront attendus dans une zone d'évacuation sécurisée à cet endroit. Lycée Lincoln. Touche cercle. Vous avez entendu ? Ça, c'est du texte alternatif aussi. Et le « il est écrit » avec une flèche pointant vers la gauche, je trouve que c'est génial. C'est encore une attention particulière de la part du studio de Naughty Dog hein, pour nous permettre de bien nous représenter le contenu de ce qu'on lit. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc ouais, j'allais vous dire, hein, encore une fois, toujours ce petit inconvénient, des fois, de pouvoir accéder aux objets. Ouais, quand ça fait ça, là, c'est qu'en fait, il y a un obstacle. Parce que le scan d'objet, en fait, il détecte en termes de distance entre nous et l'objet. Mais il tient pas forcément compte, même si je trouve que c'est un peu mieux fait que dans le 2, de ce côté-là. Magasin de musique Marquis. C'est magasin de musique. Il tient pas forcément compte des obstacles qui nous permettent pas, du coup, d'atteindre les objets à ramasser. Ou, en tout cas, les objets avec lesquels interagir. Avis d'évacuation obligatoire. Veuillez suivre les consignes des autorités le long de la route d'évacuation. Il est écrit route d'évacuation dans une flèche pointant vers la gauche. Ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Excusez-moi. Pas évident de d'aller vers les objets là, dans cette zone. On va avancer un peu. Et parce que c'est pas plat. Hein. Non. Ok, bon bah allez. Là, c'est bon. Pas non plus vous ramener toujours au même blocage, n'est-ce pas, les amis? Un quart. Alcool. Hop, on va refaire un dernier. Confection. Kit Molotov. Cocktail Molotov. Confectionnable. La formule nécessite. Vous avez désormais 3. Cocktail Molotov. On en a 3, nickel. Revolver. Munition de revolver. 6. Chargé. 2. Dans l'inventaire. Un quart. Tissu. 2. Munition de revolver. Du revolver. Munition de revolver. 6. Chargé. 4. Dans l'inventaire. Donc là, on a 3 kits médicaux, 3 molotov. Donc déjà, de ce côté-là, on est plutôt bien armé. Et on y va pour un peu de lecture. Ces satanés infectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour du périmètre pour repérer les failles. Artefact. Ça c'est Bill. C'est Bill qui prend des notes et qui les éparpille partout. Vous allez vite comprendre que Bill est le seul habitant rescapé de cette ville. Notre copain Bilou. 10 pièces. Des pièces d'établi, nickel. On en a quand même récupéré pas mal, ça c'est cool. Ah, c'est triste quand même. Quoi ? Revolver. Cette musique qui croupit ici. 6. Chargé. Y'a plus personne 4, pour l'écouter. Je sais pas. C'est tellement dommage. Ah oui, Ellie. On sent déjà la passion pour la musique. Pour ceux qui ont suivi la partie 2, hein, y a
grande importance de la guitare dans le jeu. C'est déjà un peu évoqué dans cette partie 1, ouais, avec ce magasin de musique. Avec ce magasin de musique. D'après ce que je sais, il est seul. Allez, on va arriver au bricolage de Bill. Vous serez abattu. Ok, super. Ça, c'est très accueillant. Vous serez abattu. Bon, bah écoute. Un petit coup de lecture. Bob, je ne quitterai pas la ville sans ce coffre. Aide Brad à le charger dans le pick-up. Et au cas où il faudrait l'ouvrir, la combinaison est 5, 17, 21. Artefact. Vous voyez les amis, là c'est seulement là qu'on trouve l'artefact qui nous donne le code du coffre. Sauf que le problème là c'est qu'avec l'accessibilité, le coffre je ne peux pas y retourner. Hein, puisque je l'ai dépassé, il est plus du tout dans mon rayon de scan d'objets. Donc ben, c'est bien d'avoir cette petite astuce à l'oreille pour ouvrir les coffres de manière un petit peu cheatée, n'est-ce pas? Ce qui évite de passer à côté. Vous êtes accroupi. Santé. Sang. Ouais, Joël, ne te bloque pas. Si. C'est très exactement ce que t'es en train de faire. Bon. Encore des objets inatteignables. Oui, forcément. Hop là. Ce coup-ci, c'est bon ou pas? Alors, je suis désolé hein, si des fois je fais des allers-retours. C'est quand je peux pas atteindre un objet avec lequel interagir, bah j'essaye d'avancer un petit peu. Puis ensuite je me remets en mode écoute. J'essaye de rattraper l'objet et si ça marche pas. Vous serez abattu. Ça c'est le vous serez abattu, mais. C'était ça le. Ok, c'était juste ça le. Oh bah tout ça pour ça. Oui, donc je disais, des fois ça fait des allers et des retours inutiles entre guillemets. Et ça je peux pas m'en rendre compte en fait. Au moment où je scanne. Et au moment où j'avance et que je rescanne, je peux pas forcément me rendre compte si ça va me faire avancer ou reculer vers l'objet. Voilà, voilà. Claqueur. Boum. Notre Dieu. Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Dis, il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est ce type au juste? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville, disons que il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde, n'est-ce pas? Où tu marches et ça ira. Ça vous donne toujours envie de le voir, Bill? Parce que moi, oui, j'adore Bill. Oui, il faut croire que oui. L'option passer l'énigme est disponible dans le menu. Option, point, 1, flèche, 1, flèche. Si vous avez vu mon let's play sur la partie 2, vous savez à quel point j'adore l'arc. Je le kiffe l'arc. Je le pas kiffe, d'intrus. Mais il va falloir que j'arrive à scanner pour le récupérer. Déplacé. Alors. Tiens, viens là. On peut se servir de ça pour passer. Déplacer au bon endroit. Hop. Déplacer. Ok. Hey, regarde ça. Oui. Donne-le-moi. Je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Non. Cette énigme peut ne pas être accessible à tous les joueurs. L'option passer l'énigme est disponible dans le menu. C'est moi option, qui tire à l'arc. Option, tutoriel débloqué. Super. Ah ouais, j'adore l'arc dans The Last of Us. Vous m'en voudrez pas, mais c'est ce que je vais améliorer quasiment en prio sur les établis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je
trouve c'est d'un pratique, surtout nous qui avons du mal avec la furtivité. C'est déplacé. Hyper pratique. Tiens, on n'a qu'à se servir de ça. Alors, on amène ça. C'est hyper pratique de pouvoir tirer à l'arc. Et se faire les ennemis à distance. Déplacé. Alors, est-ce que je suis bon ou pas? Non, pas exactement. Excusez-moi les amis, mais je pense que ça va être un détour à un retour. Parce que... Cette énigme peut nous déplacer. Peut pas être accessible à tous les joueurs. L'option passer l'énigme est disponible dans le menu. Option. Point. T'es pas exactement pile sur le point. Et là, c'est bon. Pas sûr. Déplacer. Est-ce que là, on est bon? Oui. Ok. La voie est libre, monte. J'arrive. Déplacé. Reprends ça. Marquerai que j'ai passé aucune énigme pour l'instant. J'ai réussi à tous les compléter. Avec plus ou moins d'aisance, mais... Déplacé. C'est bon, non, je suis pas sûr. Cette énigme peut ne pas être accessible à tous les joueurs. L'option passer l'énigme est disponible dans le menu. Option. Point. Normalement, on devrait être pas mal. Déplacé. C'est bon. Non, je pense pas que ce soit bon. Non, il y a un trou. Alors, hop, on reprend. Donc à chaque fois, c'est des interactions triangle, hein. Tout ça, avec la touche triangle. Et là. Déplacé. On peut passer là ou pas? Je pense. Non. Attends. Si c'est bon. Ok, on est passé. Ah, il y a un claqueur. C'est bon, on a un sur un. On va se le faire au sur un, celui-là. On va pas s'en priver. Maintenez. Touche L2, pour viser avec l'arc. Non, on se le fait pas à l'arc, on se le fait au surin. J'ai un surin, on va en profiter. Vengeance au surin. Voilà. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Juste un peu. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Alors, c'est là qu'il faut pas se faire sauter la gueule par les pièges. Ouais. Oui. Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Ellie. Y'a quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? Je crois que je suis jamais rentré ici. Un tissu. Un tissu, ouais, bah c'est bien. C'est tout? Y'a rien d'autre? Ça valait pas le coup. Non? Oh merde! Ah si! Y'a pas d'infecté. Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. S'il y a quelque chose, ouais.
Ah oui, il y a du... Ah bah on a bien fait de venir. Merveilleux. Je suis jamais venu ici, les amis. Donc je découvre cet artefact touche avec L2, vous. Zoomer, joystick droit, déplacer la caméra, touche carré, lire, touche cercle, ranger. Rachel. Des soldats vont de porte à porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends des cris à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'appeler, d'attendre, mais je ne peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas. À très vite. Ezra. 1. Artefact. Rachel. Tu crois qu'ils se sont touche cercle. Retour. Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Bah, ça se trouve, l'infecté qu'on vient de buter, c'était un des deux. Hein. Je veux pas te faire peur, Ellie, mais... 1/4. Alcool. On peut être sûr de rien. Stimulant. Ok. On récupère quand même quelques trucs qui sont pas inintéressants. Viens, fiche encore d'ici. Rien d'autre. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Je suis déception, comme dirait Super Brioche. 1. Brique. Brique. Oui, parce que c'est vrai 1. Que j'avais cassé la bouteille sur la tronche de l'infecté. 1. J'avance un peu, ok. Pas d'intrus. Touche cercle. On avait cru comprendre, Bill, hein, t'inquiète pas. Brique, 1. Alors là, je vais envoyer la brique dans le piège explosif. Boum. Merde, brique, ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Brique, 1. Voilà. Souvenez-vous, dans le 2, c'est pas un gros spoil de dire ça, juste avant la station télé avec Ellie et Dina, on avait eu ça aussi. Pas d'aide. Dégagé. Il est accueillant, Bill, hein. Très très accueillant. Ben. Non, je peux pas accéder à un éventuel objet. Y a pas rien. D'aide. Non, c'était le pas d'aide là, c'est tout. Bordel. Fais attention où tu marches. Un. Munition de revolver. Attention, boum! Vous serez abattu à vue. Vous serez abattu à vue. J'espère qu'on va l'atteindre, Bill, hein, parce que... Parce que vous en pensez, il est... assez dissuasif, quand même. Un. Mets des pièges partout! Il te dit qu'il va te buter si t'approches un peu de trop près! Allez. Un peu complicado, hein. T'éloigne pas. Huit. Munitions de revolver. Ah, super. Bon, écoutez, les amis. J'espère que vous allez pas trop me haïr. Mais je vais arrêter cet épisode ici. Pourquoi ? Parce que là, on arrive... Je sais où on arrive, je sais très exactement où on arrive à une phase du feu de Dieu et d'une complexité assez folle. Et j'ai peur que si je m'embarque dedans et que je vous fais le service façon claqueur du musée, j'ai peur que la PS5 ne me laisse pas terminer. Donc, je vous fais une vidéo malheureusement un peu plus courte ici, j'espère encore une fois que vous ne m'en voudrez pas. Mais croyez-moi, la prochaine, ça va être d'une part explosif, et d'autre part, on va faire la connaissance de Bill,
Et pour moi, encore une fois, Bill, c'est la masterclass de The Last of Us. Je vous en dis pas plus aujourd'hui. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, comme à chaque fois. Et encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur notre association Mango Mix Access, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou éventuellement nous envoyer un petit mail à contact@mangomix-access.fr. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, bye bye!